Salut à tous, ici Silver, bienvenue pour cette partie 21 du playthrough de Super Mario RPG. Je sais pas pourquoi j'ai déformé ma voix. Alors on s'en est arrêté dans le palais Nimbus. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, dans la ville de Nimbus. C'est pas là où je dois aller. Je sais pas où je vais. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien de spécial. Oui, donc sinon, je me suis un petit peu informé, donc il semblerait que je me rapproche peu à peu de la fin du jeu. Et donc, j'ai déjà réfléchi un petit peu, même, j'ai déjà tout réfléchi pour savoir qu'est-ce que je ferai juste après. Ça sera toujours dans le même genre. Il y aura d'abord un jeu Nintendo 64, et puis un jeu GameCube, puisqu'il s'avère que mon émulateur Dolphin marche correctement. Ouch, quand même. Il marchait pas très très bien avec mon ancien ordi, mais là il marche quasiment. Enfin, il lag, c'est un peu normal, hein. C'est quand même un émulateur assez qui prend pas mal de place. Mais pas bavard, ça c'est fait. Vas-y, à l'attaque alors que c'est même pas ton tour, espèce de connard. Donc, bref. Et puis même, je sais même ce que je ferai encore après. Là, je viens tout juste de me décider. Et j'ai franchement hâte. J'ai pas tellement envie de vous dire ce que c'est tout de suite. Je préfère vous garder la surprise. Je peux juste vous dire que ça sera des jeux GBA. Ce sera des RPG. Je dirais pas plus. Bref, Super Mario RPG, on reste dedans. D'accord, bah t'es tout seul. Moi je suis dans la merde, surtout parce que j'ai pas soigné Mario. Oh bah non. Headshot. Alors, putain, mon micro est en train de se casser la gueule. Et peut-être un coup de miel. Et de sirop d'érable. Électricité statique. Wow. Bon, ça fait pas très très mal non plus. Headshot. Et un petit remontant, ça peut être toujours bien. Bon, lui, il y en a un seul, mais il va y en avoir 15 000. Voilà. Genre, le mec, je lui fais... celui avec qui je fais le plus de vie, c'est celui qui survit. Parce que je lui fais le plus de vie, plus de dégâts. C'est plus la France. Ah là, je lui fais plus de vie. Ça veut rien dire. D'accord, c'était une fausse statue. D'accord. Bon. I'm a fire with my leather. Non, ils sont... Genre, ils sont... Le monstre est étourdi. Le monstre est étourdi. Le monstre est étourdi. Le monstre est étourdi. Co-co-co-co-combo. Oh la vache. Ouais, il en manque un, mais je sais pas tout ce qu'il fait d'ailleurs, je sais pas pourquoi il va attaquer. Et... Pa pa pa! Strike! Bravo! Le mec il level up, il a pas fait un putain de truc. Je vais augmenter. Tiens, ça, en même temps, il y a que ça à augmenter chez lui. Je suis déjà passé par là? D'accord. Ah bah oui, effectivement, oui. What? Ça fait beaucoup de people tout ça. J'arrive pas à comprendre si c'est des gentils ces trucs ou si c'est des ennemis. C'est des ennemis. Joe Fool est endormi. Et c'est qui Joe Fool? C'est le mec avec sa fourchette là? Pata!
Je suis fou les réveiller. Mais c'est qui? C'est bien marrant, mais... Et voilà, il manque plus que ça. On va faire un tonnerre, je sais pas si ça suffira. Ah bah... Mais casse-toi si tu veux. Chaman. J'ai une note, hein, niveau 17. Ouais. Flash Geno. Mais laisse-moi me heal, espèce de connard. Putain, ça demande de plus en plus. Hein. Bon, alors, attends, on va faire s'enfuir. Voilà. Tu fuis. Tu fuis, car tu es un lâche. Un pleutre lâche. Non, il faut vraiment que je me heal. Il veut de ça. Ça touche tout le monde. On va voir ce que ça fait. Déjà, faut se mettre plus loin. What the f... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? Un tonnerre devrait suffire, je pense. Pain. Oh la vache. Ça vise quand même pas mal de trucs. Je pense qu'on ira peut-être faire un tour à... Fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une nouvelle fleur. Je sais pas qui c'est qui a composé cette musique, mais elle est horrible. Mais rien de pire que les musiques... Ding 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 ding... Enfin, oui. C'est absolu... J'aime mes qualifications parfois. Je veux dire dans le sens... Ah, j'ai pas le mot. Voilà, et puis un petit remontant. Voilà. On va aller se healer. Alors, est-ce que je peux... Je vais essayer. Alors, voyons voir ce que ça fait, ce joli coussin. Je voulais voir. What? Boing, 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 je fais de gros efforts, Mario. Alors, faisons autant. Je suis avec toi. What? Est-ce que je viens de me faire droguer? J'ai payé 30 trucs de plus pour ta connerie. Ça me servait à rien? Oh putain. Bon, ça va, ils ont pas repop, c'est déjà ça. Bon, par contre, là, c'est la fête. Attends, je dois revenir le gros, là. T'es gros. Putain, trois gros. Moins gros. Ah non, même pas. Là, je vais tenter un petit tonnerre. Non. Il est trop pas prêt à tirer. Mais encore. Défense up. Non mais. Tu peux me laisser me remettre, s'il te plaît, espèce de gros connard? Explosion!
fait mal des gants. Non, mais... Laissez-moi. Geoffrey est endormi. Ah, bah si, il est endormi. Alors on va faire le flash. Parce que là il y a du monde quand même. Non mais... T'envoies pas un canon. Je sais pas, t'envoies directement ça, tu te mets pas sous la forme d'un canon pour envoyer un... Un soleil, nom de Dieu. Geoffrey est réveillé. Non, il est pas mort en plus. Oh dear. Meurs, patate. Mais t'es pas mort? 6 diamants. Son os, il était sim. Aïe. Tu m'as au moins fait moins mal que la personne avant toi. T'es mort. Voilà. Attends, par contre, non. Qu'est-ce qui vaut mieux? T'es fermé, Jessie? Emily, t'es fermé. C'est pas vrai! Attends. Bon, là, ça ne passe pas! Vas-y, demain, faut passer par là. Bon, allez. XP Einstein. Est-ce que je peux essayer de la tuer d'un coup? Eh non, ça marche pas. On va tenter le tonnerre, tiens. Bon, déjà un moins un. Le monstre est étourdi. Tournoiement. Tchoupi! Attention, un monstre confus. Flemmard. Au niveau du... Non mais, what the fuck? Ah, quand même! T'es mort! Merde... Au revoir! Il est résistant celui-là. Si je pouvais avoir XP Mario ou Malo. Mais est-ce que tu peux me laisser bouger? Geoffrey est endormi. Elle est bien ta vie. Non, mais le mec il a moins de 34 de vie. C'est fou là, allez. Tu vas mourir? Est-ce que tu peux mourir? Mario level up. Ultra flamme. Super original, t'es. Feu saut, feu saut, feu saut. C'est super original. Non. Non mais faut arrêter là. Bon, un petit coup de tonnerre. Le monstre est étourdi. Mais lequel? Attention, monstre confus. Il a fait ce s'auto... S'auto-flagellé. Moi j'utilise des termes compliqués, ça vous pose problème?
trouve, j'avais tellement mis le son de jeu fort que vous m'entendez même pas. Enfin, moi, je m'en... Non, mais tu sers à quoi, toi? Je t'ai même pas sorti, je suis même pas sûr de te sortir. Allez, on va t'augmenter tes... Voilà. Bon, ben là, je peux pas tellement l'éviter. Mais non. Tu m'attaquais, comment tu peux dormir, espèce de crétin? Putain, mais la logique des jeux vidéo, parfois, c'est... allez, tiens. Merci, Captain Obvious. Non, mais t'es encore vivant, toi? D'avoir une bonne défense magique, parce que défense normale, tu es défenseur! Et voilà, Malo. Ouais. Bah, je vais lui augmenter un peu. Plus étoile, ouh! Interesting. Bon, je pense qu'on va... Oh, bonjour. C'est sûr qu'il y a des sources chaudes là-haut. Bon. Nous avons de l'eau chaude provenant du volcan. Soigne toute cette maladie, mais seule l'Europe peut s'y baigner. Regarde ici, ce serait grave si je que Malentine prenne toutes mes clés et me renvoie. Je ne pense pas avoir besoin de passe-partout. La voulez-vous? Oh oui. D'accord, le voisin ne dit pas que tu vas en faire. D'accord. Clé château 1. Non, c'est un passe-partout, c'est pas une clé. Pot de fleurs. Et ben on va l'utiliser le pot de fleurs. Voilà. En plus ça me régène toutes mes fleurs. Parfait, j'ai même pas besoin de me soigner. Tout est bon. Et ben t'as une petite sauvegarde, tiens, soyons fous. Soyons fous. Pays d'invus. Et tu sais quoi? Valentina a un énorme sur la salle, dans la salle centrale. Ça crache des fois des œufs. Parfois, quand tu te protèges, il ricoche sur toi. Le plongeur le roi dans la source se sauvera. D'accord. Mais quoi ça, cette salle? En fait, c'est les employés. C'est la salle des employés, mais franchement, je veux plein les employés, là, c'est... Ouais, j'ouvre la porte! Oh, pas toi. Je vais te donner des vitamines, comme ça tu seras grand et fort. Oh oh oh, m'arrête déjà là, c'est rapide, c'est... Ça ne souffle pas, c'est fermé. Ah ah ah, je suis seul, vous jouez avec moi? Merci. C'est pas un jeu, ça. Alors déjà, l'œuf, il a changé de couleur. Il était violet, il est passé rouge. Comprendre qui pourra. Pa pa la pa. Pa 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 la pa pa. Tu vois, il craint un max, hein. Faut dire qu'il se bouge beaucoup. Birdo. Qu'est-ce que Birdo vient foutre là? Il fait mal en plus. C'est tout? Mais vous m'avez fait mal. Alors c'est mon tour. Attention, c'est chaud. 90. La vache. Ça fait peur. Bon, on va tester sa défense. Plus étoile, tiens. Ça marche comment ce truc?
D'accord, tout ça pour ça. La la la, la 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 la. On va se contenter d'un nez-jeu, tiens. Parce que... ça fait pas des masses de dégâts. Tapez. Mais j'appuie sur A. Attends, mais je comprends pas la logique de ces trucs, mais bon. Bon, ça va jouer au remontant, hein, je pense. Hein. Obtenez bonus? Oui, c'est bien. Bah, au moins, je les use pas. Ça, n'empêche, ça serait un truc. Je sais pas, pour un jeu oldie, c'est quand même. Il est quand même un peu dur, qu'on se le dise. Mais le fait de proposer des items qui peuvent se régénérer, c'est pas si con que ça, quand même. C'est. Plein bataire, non même pas. Là, Mario c'est Train Warrior, Mario c'est The Survivor du 38 là c'est. 19, youhou. J'appuie sur A pourtant. Aïe 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 aïe. Je suis curieux. Psychopathe. Huit. D'accord. Bon ben, au revoir. Oh, ne partez pas encore. Vous êtes si mignon. C'est trop mignon. Misère. Le pire boss de la galaxie. Expérience 20. C'est donc 20 d'expérience cette connerie. Oui. Ne m'oubliez pas. Clé château 2. Allez, je vais aller me regenerate. Ah non, mais il me régène tout. Bah oui, c'est un boss. Le boss régène tout. Parce que les boss sont gentils. Donc on va aller save world. Toi, je t'aime pas, donc je t'évite. Voilà. On a combien? 23 minutes. Oh, ça va, j'ai le temps. What? Je crois qu'il y a eu un petit problème dans le codage, là. Oh la vache. Ah non, c'était prévu, d'accord. What? D'accord. Je vous fous les temps normes. Non, j'ai pas envie, là. Franchement, impossible. Ah, je fuis, puisque je suis un faible. Bon. C'est parti. Oh, le bâtard. Al-bâtard. Oh dieu. Il a très planté là, c'est magnifique. T'es. Bon, alors on va s'occuper de toi. Oh mon dieu, je vais souffler très fort sur toi. Je vais te faire très très mal. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce Pokémon, quoi. I'm far with my laser. Tempête de neige. Encore ce foutu Morpheo là. Ça... Mais non, mais fais pas deux fois ta connerie. Là, putain. Ça fait mal en plus ta connerie. Psychopathe, non, les tonnerres, je pense que c'est. Non, même pas. Mais non, mais t'attaque pas. Rattaque pas.
Mais non! Mais c'est pas à ton tour d'attaquer! Putain, ils sont encore debout. Oh la vache. Mais c'est pas à ton tour d'attaquer! Mais qu'est-ce que tu... Mais quelqu'un m'explique? En fait, ce truc attaque... à chaque fois que ton perso joue. Mais what the fuck? What the fuck? C'est quoi cette connerie? Évidemment. Je fous, il est endormi. Quelle est la logique de ce truc là? Picabou. C'est pas vrai. Mort vivant. Et toi, je vais te finir à coup de... Carapace. Bon, logiquement, c'est Geno qui doit level up. Ouh, la notice. Le roi Nimbus est au lit. Ne pas courir dans les couloirs. Mario. Ce qui veut dire, mais... c'est un... Mes parents sont ici. Et une seconde. Ça ne veut pas s'ouvrir. Laissez-moi. On dirait que c'est à moi de nous sortir de ce pétrin. Ne perdez pas une miette de ce que ce qui va suivre. Bulia. Non, une minute. Ça me fait vraiment haleter, il ne faut pas faire de bruit. Changeons de plan. Trop ralenté ne semble lui cacher la vérité. Mais la porte. Écoutez, ne parlez plus au chef de Kotrukova comme ça. Oh, je te déteste. Ça... Je passe pour ça cette fois, mais ça n'arrive plus, ok. Reine Valentine! Shy away. Reine Valentine! Je suis un PNJ, je ne sers à rien. Bon, je vais aller me heal. Ah, oh, explique trop la France. Bon, j'espère qu'il n'en parle pas. Papadapada. Ouais, on va chercher des champignons. Y'a toujours rien là-dedans. Bon, allez, donne-moi ce que je veux. Un champignon. Voilà. Et puis on va se soigner. Ils sont obligés de nous faire ralentir sur la nuage, vraiment. Ils ont pas eu une autre idée. J'ai pas compris parce que par un mec, courage Mario. Bon, c'est cette porte-là. On est marre de retraverser la moitié du palais, là. Fat Koopa. Koopa. Eh ben non. Eh ben non. Pikachu.
Et puis, bah là... Bon, évite ou pas se repart à tirer, c'est ça? Prêt à tirer? Ouais, bah, t'es tellement prêt à tirer que tu vas... Que t'auras même pas le temps de faire quoi que ce soit. Défense up. Ouais, ça en fera un chacun. Non, même pas. Sur ce point-là, Malo, tu te fais visiter. Bonjour. Oh, mais c'est un piaf. Ah non, je sais pas, enfin... Là, d'avoir des yeux, pourtant il y a le piaf. La créature qui a battu Smilax est ici. Mario, de quoi a l'air un Mario? Bien, il a une grosse moustache, des bretelles et une paire de... belles cuisses. J'ai le sentiment d'en avoir déjà vu avant. Ouh! Statue qui bouge! Mais oui, c'est cette statue que Joker revient de livrer. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, Valentine? Cesse donc de jacasser inutilement pour une fois. Franchement, je m'en fous complètement sur cette clé. Le roi ne peut pas sortir. Bonjour! Mario, bonjour! Chut! Je viens de dire chut! Mais ce n'est pas une statue, c'est Mario! Valentine, donnez-nous la clé! Aïe! Quel impoli! Qui es-tu donc pour me parler comme ça? Moi, je suis le vrai prince! Un gosse! Et tu as écouté quoi, ça se privé? Privé, on pourra vous entendre à 100 km de là! Non, c'est lorsque tu le prends de cette façon, je m'en vais. Au revoir, crétin! Hé, hey, Valentine est partie! Je m'en vais aussi! Et l'autre? Tu n'es qu'un quoi? Je crois que tout est à refaire. Donc nous devrions les suivre. Allez, rattrapons-les. Ah mon dieu. Ah. Savgord. Eh ben. Et bon, ça en rester là. Ça va faire un épisode un peu plus court. Bon, je sais que j'ai fait du 41 et 40 minutes pour les précédents. Donc, on va venir un peu sur du 35 aussi. Il faut en faire de temps en temps. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour la. Enfin, juste après pour la partie 22. Et puis voilà, merci d'avoir regardé et à plus, ciao ciao!